Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sûrement attendue par pas mal des gamers et fans de composants hardware dans la communauté, à savoir le processeur, le meilleur processeur gaming du marché, en tout cas le nouveau roi du gaming, le Ryzen 7 9800X 3D. Donc comme tu vas le voir dans cette vidéo, que j'ai décomposé en plusieurs parties, dans la première partie je vais te présenter rapidement le processeur et ses performances, et ensuite on va voir un petit peu le thème de cette vidéo, à savoir son prix et où est-ce qu'il est disponible, et enfin bien sûr mon avis final. Mais avant de commencer comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également en description et bien tous les liens des composants et PC que je vais te présenter ou que je recommande, tous les liens vers mes playlists, comment choisir tel ou tel composant, et enfin le lien vers mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Ça y est, le Ryzen 7 9800X 3D est sorti, donc le meilleur processeur gaming, en tout cas le remplaçant du meilleur processeur gaming de l'ancienne génération. Et écoute, c'est le nouveau roi. On va aller voir les performances dans un premier temps. Alors, je vais d'abord passer sur les performances en applicatif, parce que pour moi, c'est là qu'il y a réellement un gap qui a été franchi. Le 7800X 3D, qui était certes le meilleur processeur gaming de l'ancienne génération, mais en applicatif, c'était pas trop ça. Tu vois, en applicatif, d'ailleurs, comme tu peux le voir à l'image, donc là, je suis sur le site Hardware & Co, qui ont fait un très très bon test, d'ailleurs, sur ce Ryzen 7 9800X 3D. Donc, c'est ce que je te présente en vidéo. Je te mettrai aussi le lien de l'article, si ça t'intéresse. Mais, sincèrement, on voit qu'en applicatif, le 7800X 3D, c'était pas trop ça. C'était du niveau, voilà, c'était à peine mieux pour moi qu'un 7600X. Alors, ça reste quand même, 7600X reste quand même un processeur plutôt entrée de gamme. Et voilà, moi, je trouvais que c'était quand même assez limité. Tu vois que c'est inférieur à un 7700X, supérieur à un 9600X. Mais bon, bref, voilà, un 9600X pas overclocké d'origine. Mais ça restait quand même limité. Et moi, c'est ce qui m'a fait décider, lorsque j'ai fait le choix de monter mon nouveau PC, je suis parti sur une plateforme AM5 de chez AMD. Et j'ai hésité entre le 7800 par rapport à mon budget, j'ai hésité entre le 7800X 3D et le 7900X, qui était à l'époque quasiment au même prix. Et je suis parti plutôt sur le 7900X pour les performances en applicatif. Parce que je ne fais pas que du gaming avec mon PC, je fais également de l'applicatif, pas mal d'applicatifs, d'ailleurs le montage vidéo pour ma chaîne. Donc c'est quand même une grosse partie de l'utilisation de mon PC. J'avais prévu éventuellement du streaming plus tard, bon j'ai pas trop le temps, mais en tout cas ça reste une possibilité, donc je voulais pas me fermer par rapport à ça, et je trouvais que le 7800X 3D, même s'il pouvait faire le travail, ça aurait été un processeur un petit peu limité. Et là je trouve que ce nouveau 9800X 3D, en termes de performance en applicatif, eh bien écoute, il y a eu une sacrée progression, puisqu'on parle de quasiment 30% de performance en plus, en applicatif je parle, pour ce 9800X 3D. Donc je trouve qu'il y a une nette amélioration de ce côté-là. Et moi, tu vois, là, c'était le reproche que je faisais au 7800X 3D. Si tu ne fais que du gaming, la question ne se posait pas. Si tu ne fais que du gaming avec ton PC, tu pouvais très bien partir sur le 7800X 3D, puisque c'était donc le meilleur processeur gaming. En tout cas, celui qui offrait le meilleur rapport prix-performance. Et surtout au niveau de son prix, qui était, alors on l'a trouvé un certain temps en dessous de 400 €, ce qui malheureusement n'est plus le cas actuellement, mais ça on en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Donc au niveau de l'applicatif, comme tu peux le voir, c'est 30% de performance en plus. Là où le 7800X 3D avait des performances proches d'un 12600K, il était quand même 10% plus performant qu'un 12600K, aujourd'hui on a les performances d'un 12900, ce qui est plutôt pas mal, quasiment les performances d'un 7900X, très proche en tout cas, on est à moins de 10% d'écart, et je trouve que c'est quand même pas mal, puisque je te dis, moi j'avais hésité entre les deux, et si j'avais eu des performances, si on m'avait proposé des performances avec, pour le 7800X 3D proche du 7900X, je pense que j'aurais opté pour le 7800X 3D. Bref, même s'il y a quand même une différence de cœur pour la précision, puisque c'est un 8 cœurs 16 threads le 9800X 3D, contre un 12 cœurs 24 threads pour le Ryzen 9. Mais voilà, au-delà de ça, je tenais quand même à appuyer sur ce point parce que je trouve que c'est là où on va trouver la plus nette amélioration. Et pour le gaming, puisque c'est quand même c'est là où on attend justement ce processeur, et bien pour le gaming, bien sûr, il ne fait pas mentir sa réputation de roi du gaming, puisque ça devient le nouveau leader en termes de gaming, puisque tu vois qu'il est largement en tête devant son prédécesseur, le 7800X 3D,
et bien sûr bien largement devant les 14900 et autres processeurs de chez Intel. On sait que AMD, ils sont quand même plus performants au niveau du gaming, et c'était un applicatif qui était un petit peu en retrait, quoique avec la dernière génération de Ultra, la question elle se pose, mais ça j'en ferai une vidéo dédiée. En tout cas, voilà, pour le gaming, bah écoute, voilà le nouveau leader, le 9800X3D. Alors là aussi, c'est pas, par contre, c'est pas flagrant en termes de performance, puisqu'on a 10% de performance en plus. C'est toujours ça de gagner, donc c'est pas une révolution, c'est une évolution. Est-ce que, et c'est là qu'on arrive à cette question cruciale, parce que ok, le 9800X3D est le nouveau meilleur processeur gaming actuellement sur le marché. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci, les tests le démontrent. Maintenant, est-ce qu'il vaut le prix qu'on en demande actuellement? Moi, c'est la question que je me pose, et surtout quand j'ai vu cette news, la news suivante, à savoir qu'on est en rupture de stock sur le 9800X3D. Et là, je t'avoue que ça me choque encore une fois, parce que j'en veux un petit peu à la plupart des gens de ne pas être patient, de ne pas attendre que les prix baissent, puisque les prix à la sortie, on le sait toujours, ils sont toujours un petit peu gonflés. Et d'ailleurs, ils sont gonflés pour une raison, c'est pour justement les impatients, faire payer le prix fort aux impatients. Et voilà, et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi le prix est gonflé pour... entre guillemets, prendre la température du marché et voir si, est-ce que les joueurs sont choqués par rapport à ce prix, est-ce qu'ils boudent le composant à tel prix, et s'ils voient que non, ils n'auront aucune raison de baisser les tarifs. Donc on est en soi en partie responsable des tarifs qui sont pratiqués par les fabricants de composants. Là, je parle des fabricants en général, puisque Nvidia, ils sont leaders dans les cartes graphiques, ils ne nous font pas de cadeaux, et tu vois que AMD, qu'on prend entre guillemets des fois pour les gentils et que moi je mets beaucoup en avant, en tout cas au niveau des cartes graphiques, parce que j'estime que c'est eux qui proposent le meilleur rapport prix-performance au niveau des cartes graphiques. Tu vois que là, en étant leader au niveau des processeurs, aucune pitié pour nous le consommateur, ils nous sortent au prix fort, parce que non seulement ok, on pourrait se dire bon, ce processeur c'est le meilleur processeur gaming, donc c'est normal en fait qu'il soit victime de son succès. Et moi, ce qui m'embête, c'est le tarif. Parce que le tarif, en fonction des sites, ça fracasse fort quand même. Tu vois, 619€, 620€ pour le site LDLC. Alors ok, LDLC, on sait qu'ils sont connus pour pratiquer quand même les tarifs les plus élevés, en tout cas du côté du hardware. Et tu vois que là, il n'y a aucune pitié, 620€ et quand même rupture de stock. Donc là, ça fait mal. Top achat, 600€, rupture de stock. Gros bill, 579€, 580€. Rupture de stock. Et pour cette vidéo, j'ai quand même trouvé un site qui en avait en stock, mais ça sera quand même au tarif de 600€. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse, même si moi je recommande de patienter une baisse de prix si elle arrive, puisque franchement, vu comme les gens se jettent dessus, je me pose quand même la question. Mais voilà, sache que sur le site Rue du Commerce, lien dans la description, écoute, tu peux le trouver à 600€ disponible. Donc mon avis final sur ce processeur, on est face au meilleur processeur gaming du marché, qui pour moi, certes, a une évolution très relative en termes de gaming, on l'a vu, 10% de performance en plus, mais par contre une évolution significative au niveau de l'applicatif, et je trouve que c'est quand même quelque chose de très 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 positif. Disons que c'est la chose moi qui m'a fait ne pas choisir ce processeur, le côté applicatif, puisque j'ai un usage mixte, de mon PC. Mais si tu as un usage uniquement gaming, c'est sûr que voilà, si tu souhaites le meilleur pour ton PC, tu peux partir sur ce processeur là mais après ça va dépendre vraiment aussi de certains éléments, parce que par exemple ce processeur pour jouer en 4K, pour moi il n'est pas forcément recommandé, parce que en 4K tu vas pas avoir énormément d'images à l'écran, et c'est pas ton processeur qui va brider tes performances. En général, ça sera ta carte graphique en premier, donc on n'aura pas besoin de ce type de processeur pour jouer en 4K selon moi. Attention aussi à ça, au meilleur du meilleur, je veux une 4090, je veux le 9800X3D, en soi si c'est pour jouer en 4K, ça n'aura pas énormément, franchement ça sera pas, bon, j'ai déjà fait ma vidéo sur la 4090 et la future 5090, je t'ai dit ce que j'en pensais, je vais pas revenir là-dessus, pour moi c'est trop cher, tous ces composants sont trop chers. Et là, ce processeur, je te dis, voilà, je suis content de voir les performances, en tout cas en applicatif. Si tu parles de la génération, déjà, tu possèdes déjà le 7800X3D, pour moi, aucune raison de passer avec ce 9800X3D. Franchement, là, il n'y a aucune raison logique et de bon sens qui t'autoriserait, c'est pas le mot, bien sûr, mais qui ferait que tu choisisses ce 9800X3D pour upgrade ta config, pour gagner 10%. Pour moi, ça n'a pas d'importance.
même si effectivement il y a le côté applicatif. Mais bon, voilà, en soi, j'estime quand même que ça fait cher payer l'upgrade. Maintenant, pour un nouveau PC, bah écoute, oui, si tu veux le meilleur processeur gaming, mais voilà, tout dépend le prix auquel tu vas le payer. Et je trouve que c'est voilà, la meilleure conclusion qu'on peut dire là-dessus. Ce processeur, oui, bien sûr, un gros oui, mais pas à ce prix-là. Maintenant, AMD, bah, ils ont aussi un bon timing, hein, puisque le 7800X3D, il est quasiment en rupture de stock également dans pas mal d'enseignes. On le retrouve quand même plus facilement que le 9800X3D, mais à des prix quand même assez élevés. Je vais te montrer d'ailleurs, par exemple, sur Amazon. Ben voilà, sur Amazon France, tu le trouves actuellement à 482 €. 482 €, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas donné pour ce processeur qui était descendu à un prix, je crois, au plus bas où moi j'ai pu le voir, c'était 330 €. Et là, 330 €, c'était un très 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 bon prix, et ceux qui l'ont acheté à 330 €, eh bien je pense qu'ils ont fait une excellente affaire, surtout quand on voit les tarifs aujourd'hui. Mais fallait-il encore se douter que le processeur allait prendre autant de prix? Et si le prix est monté, c'est parce que il y a de la rareté, et ça veut dire que c'est un processeur qui est extrêmement vendu. Voilà, pour moi, à un prix proche de 400 € ou moins, ok pour le 7800X3D, franchement, à un prix de 482 €, je trouve que ça fait cher. Et donc, bon, tu te doutes bien que 599 € pour son remplaçant, je trouve que c'est encore beaucoup trop élevé. Donc voilà pour cette vidéo, écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire ce que tu en penses en commentaire, je réponds à tout le monde. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao ciao.